Alors bonjour, je vais vous parler de Brazzaouida Saint-Denis, qui est un texte qui parle des troupes coloniales engagées aux côtés de la France en 39-45 et qui suit le parcours de deux personnages principaux, deux jeunes femmes qui s'appellent Mélika et Luce. Mélika, c'est une jeune femme française qui vit à Saint-Denis et qui est d'origine béninoise, qui ne connaît pas tellement son histoire familiale et qui découvre un jour que son grand-père était engagé aux côtés de la France en 39 et qu'il a quitté le Bénin pour aller se battre en France, qu'il a été prisonnier de guerre en 40 à la débâcle et que il s'est évadé du camp de prisonniers, qu'il a rejoint la résistance, les maquis, et qu'ensuite il a été rapatrié avec pas mal d'anciens et de prisonniers de guerre en 44 et que là il est arrivé à Tiaroy dans la banlieue de Dakar, où ils ont été mis en camp de transit en attente d'être rapatriés chez eux. Et là, c'est un épisode les plus sanglants de l'histoire de France, puisque les tirailleurs qui n'ont pas reçu l'intégralité de leur solde, de leur prime de captivité et de démobilisation, lorsqu'ils réclament leur dû, sont fusillés, massacrés par l'armée française. Donc le personnage découvre toute cette histoire-là. Et la deuxième jeune femme, c'est Luce, qui, elle, a envie d'enquêter sur l'histoire de Brazzaville, capitale de la France libre, et qui voyage au Congo et là-bas découvre toute une partie de l'histoire de France qu'elle connaissait pas, en rencontrant d'anciens combattants congolais, et aussi découvre que sa famille n'est pas si dépourvue de rapport avec cette histoire de la guerre et des tirailleurs. Donc les deux histoires évidemment se rejoignent, mais je ne vous en dis pas plus. Et je vous invite à venir découvrir la pièce en mai prochain au TGP. Et on a hâte, avec toute l'équipe de la compagnie EIA, de vous rencontrer et de vous accueillir pour ce spectacle. À très bientôt!